C'est parce que je le suis. Je peux te dire quelque chose? Oui, vas-y. En fait, je l'ai jamais dit à personne. Ça concerne Sarah. On s'est rencontrés quand on était étudiants. On n'était pas à la même fac. Elle étudiait la comptabilité. Et moi, j'étais en école d'ingénieur. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais venu rejoindre Aldi devant la fac d'économie. Après ça, j'ai essayé de me rapprocher d'elle. Mais elle me repoussait sans arrêt. Et finalement, au bout de 6 mois, c'était le début des problèmes. Ma mère ne lui a pas laissé sa chance. Elle a jamais aimé Sarah. Et puis, c'est là que j'ai appris que ma mère voulait que j'épouse la fille de sa meilleure amie. C'était toi. Pour vaincre son cancer, ma mère faisait de la chimio. Et je voulais la soutenir. Mais je savais pas comment. J'avais peur de la perdre, j'ai paniqué. Je voulais juste qu'elle guérisse. Alors un jour, je lui ai dit qu'elle pouvait me demander n'importe quoi. Et il se trouve qu'elle m'a demandé de t'épouser. J'ai fait une promesse à Sarah. Je lui ai dit qu'on se marierait dans un an. Mais elle a refusé. J'ai tout fait pour la convaincre. Et elle a finalement décidé qu'elle m'attendrait. Sarah a sacrifié beaucoup pour moi. Je ne peux pas la laisser tomber après une telle promesse, Dari. Oui, madame.